Brothers, sisters, peace be with you on this 19th Sunday in Ordinary Time on August 11th, 2019. Let me offer you some reflections on the scripture readings of the Mass today. The vital importance of faith and hope is highlighted in today's scripture reading. Faith and hope. In the first reading, we are reminded of the night of the Passover in Egypt, when the children of Israel remained steadfast in prayer while the exterminating angel was striking the children of their Egyptian oppressor. Their faith and hope spared them from destruction. They listened to the rules of Moses. They put the blood of the lamb on their doorpost. They had faith and hope and obedience. Likewise, the second reading refers to Abraham, whose faith did not falter, even when asked to sacrifice his only son. Remember, Abraham was asked to sacrifice Isaac, his only son. But at the last minute, Isaac was spared. The admirable faith of this venerable patriarch Abraham inspired the author of the letter to the Hebrews to define faith as the evidence of things not seen. The gospel text reinforces the same teachings as it says, "Blessed are the servants the master finds vigilant on his arrival. Be prepared, for the master comes at an hour you do not know." The lesson we learn is that we must remain steadfast in faith and hope, no matter the tribulations we encounter in life. Faith in God and hope in his promise of victory must act as a driving force in our efforts to be always honest, righteous, merciful, and tireless in serving the needy, prayerful and undisturbed by the lure of vanity and futility. Let's keep in mind this phrase, let us always be awake and ready to meet the Lord at the unknown hour of his coming. Be prepared, always prepared, for the Lord who is coming. Amen. God bless you. Frères et sœurs, nous sommes au 19e dimanche du temps ordinaire, aujourd'hui le 11 août 2019. Nous oublions beaucoup de choses, parfois les plus importantes. Les biens matériels, les biens immédiats tendent à capter notre attention au point de nous faire oublier les biens plus durables et excellents. La lecture d'aujourd'hui nous rappelle qu'une heure sonnera immanquablement, l'heure de notre rencontre avec le Seigneur. C'est une heure à préparer, pas question de l'oublier. La première lecture attire nos regards sur la prière assidue des Israélites en Égypte pendant le passage de l'ange exterminateur qui frappait les enfants des Égyptiens. Oh, la force de la prière! La seconde lecture nous rappelle la foi inébranlable d'Abraham, qui n'hésita pas sur l'ordre de Dieu à sacrifier son fils unique. Il savait pouvoir compter sur Dieu. Isaac, le fils, fut sauvé à la dernière minute grâce à la foi de son père. À partir de cet exemple, la foi se définit, l'évidence des biens qu'on ne voit pas. Dans le texte d'Évangile, Jésus nous demande d'être toujours prêt à le recevoir à l'heure inconnue de son arrivée. Il veut nous trouver la ceinture au rein et la lampe allumée. De ce texte ressort donc l'importance vitale de la foi et de l'espérance. Croyons-le donc, la foi en Dieu sauve. L'espérance ne déçoit pas. La foi donne la victoire sur le mal. Elle est la lumière qui éclaire nos pas.
Ne laissons pas s'éteindre cette flamme précieuse qui donne la force de persévérer sur les chemins parfois ardus du bien, du droit, de la justice, de l'amour, de la miséricorde, de la vérité et de la joie. Soyons des hommes et des femmes de foi et d'espérance. Et rappelons-nous que Dieu préserve le juste même aux heures de famine. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Axemario, nous arrivons le 19e dimanche dans le temps ordinaire, la journée jodia, qui c'est le 11 août 2019. Ça nous joigne comme leçon dans la messe jodia, c'est l'importance pour nous quimber la foi avec espérance, pour nous croire l'un bon Dieu qui remène, et pour nous compter sur lui, nous gagne espoir, notre cœur, nous ne pas jamais désespérer. Et peut-être ça, dans la première lecture, là, je vais raconter une histoire juif. L'œil était en Égypte, et puis t'es grand ange qui t'est frappé, premier petit égyptien, mais pas frappé, premier petit juif, parce qu'il était assidu, il a plappé, sans suspendre. Même j'entoure le deuxième morceau, la Bible, nous, ouais, histoire Abraham. Bon Dieu m'a dit, tu es Isaac, seul petit lit. Mon petit lit fait, le déguin 100 ans. Et pourtant, bon Dieu t'a dit que, à travers petite salle, pour avoir petit en pile, tant que les étoiles qui dans le ciel. Mais Abraham croit dans bon Dieu. Il mettait espoir, il ne connaît rien à faire. Bon Dieu a fait mes promesses. Qui fait, il prend un couteau pour sacrifier Isaac. À la dernière minute, grands anges qui quittent les bras. Il dit, qu'on y a Abraham, ouais, vraiment, j'ai confiance dans le bon Dieu. C'est exemple ça que la Bible a bon aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, l'évangile de Jésus m'a dit, pour nous toujours parler, pour nous recevoir Jésus, à n'importe qui le lui paraît, on ne le nous pas connaît. Pour nous toujours gagner ceinture, nous marrer la reine, et avec lampe nous lumer la même. Donc, qui s'en recevra comme leçon pour nous donner la foi à l'on, bon Dieu, remet, qui gagne tout pouvoir. Et pour nous mettre espoir dans lui, parce que lui-même, il n'a jamais baillé déception. Pour nous grandir dans la foi. La foi baille victoire. Donc, confiance dans bon Dieu, l'a secourir quand même. C'est lumière qui éclairait pas. Nous pas fait injustice, nous pas fait méchanceté. Parce qu'on connaît Dieu, bon Dieu, sous nous, et bon Dieu voulait, ou même Jean, c'est Rémen qui a conduit, nous-mêmes tous, c'est Rémen qui conduit. Puis, quand qui te flamme la foi, jambes éteignes, malgré tête chargée, souffrance, tribulation, n'a pas rencontré sous terre. C'est pour persévérer, n'a fait ça qui est bien, même si nous jouons une draca, n'a pas travaillé, n'a Rémen, n'a pardon, même si ça. Difficile d'apprendre sa vie moun parce que nous avons confiance dans bon Dieu, nous avons espoir dans lui. Et dernier qui frappe ça, nous joignons dans la Bible, hein? Bon Dieu sauvé, n'est correct, hein? Même le moment grand goût. C'est pour bon Dieu béni. Avec Marie, nous redirons notre confiance. Avec un oui, nous chanterons nos différences. Magnificat, Magnificat, Magnificat. Avec Marie, nous veillerons dans le silence. Avec un oui, nous renaîtrons en sa présence. Magnificat.
Marie, nous chanterons notre espérance. Avec un oui, nous choisirons un pas de danse.